c'est Gaëtan Lambert. OK. Dans l'expédition Wood. Puis j'ai Guy qui vient s'y joindre à moi pour les petits chevaux. OK. Puis il y a toujours ma copine qui est à côté après nous autres. Là, pour nous épauler. Si elle n'est pas là, ben. Derrière ce grand homme, il y a une femme. Alors, merci Gaëtan d'inviter les randonneurs masqués à venir essayer les petits poneys. Donc, c'est ça, les petits poneys. C'est des miniatures. Poneys miniatures. Oui, c'est des chevaux miniatures. Parce que pour être miniature, il faut avoir 38 pouces et moins. Ah! Puis plus grand que 38 pouces, mais tu tombes dans le poney. OK. Ben, ce qu'on m'a dit à moi, là. Oui. Ah, écoute, là. Et puis. Ils ont pris des gros chevaux, puis les plus petits avec les plus petits, les plus petits. Ah, c'est ça. Puis ils ont retissé la race. Puis ceux-là qui élèvent les miniatures, eux autres, ils disent que les premiers qui ont venu, c'était les petits chevaux. OK. Puis après ça, ils ont pris le plus gros avec le plus gros, le plus gros avec le plus gros. Fait qu'il y a deux contradictions là-dessus. Ce serait le fun, tu voudrais-tu nous parler, c'est quoi ton projet que tu veux développer, là? Oui, ben, durant l'hiver, on veut faire du ski joring. Puis cet hiver, on fait du traîneau à chien en arrière d'un miniature. L'année prochaine, on va avoir des petits chars romains. Des petits chars romains qu'on va utiliser l'été et l'hiver. D'essayer de les faire courir, ils sont vraiment fins. Puis c'est comme les chiens, ça suit à la queue leu-leu. Puis comme quand tu fais du gros cheval à la randonnée, à la selle, ça suit à la queue leu-leu, la file indienne. OK. Ils viennent vraiment... Ils sont vraiment joués de l'eau au travail. Moi, Gaëtan, tes gants sont vraiment cool. Il a pas mis les roses ce matin. Donc, lui, c'est mon petit cheval. Annie. Hey, merci. Donc, je m'en vais avec lui. Oui, tu tiens bien comme vous. Oh, tiens bien comme vous. Je m'en vais avec Annie. Es-tu contente de sortir, mon beau pitou? Donc, là, ces traîneaux-là, Gaëtan, est-ce que c'est toi qui as fabriqué ça? Oui. C'est des traîneaux à chien que j'ai modifiés, j'ai ôté le pare-choc en avant. Ouais, ouais. On a mis des travails, des manoirs. Est-ce qu'on a toujours un break là-dessus comme un traîneau à chien? Oui, la même affaire, j'ai installé le frein en arrière pour faciliter la tâche en descendant les côtes pour ne pas les faire courir trop. Quoi. OK, donc c'est la même technique qu'en traîneau à chien, le virage, transfert de poids, oui. Le frein en descendant. C'est plus facile parce que le traîneau, il est fixe après le cheval. Tu peux pas rentrer dans les fesses du cheval, mais avec les chiens, tu peux. Ça, c'est spécialement, c'était dernièrement fait, c'est Mosh Hi-Tech qui produit ce produit. Okay. Hein, qui vend ce produit, c'est lui-même qui l'a créé. Ouais. Puis c'est spécialement pour faire du ski joring. Okay. La toile ici, elle sert à pour pas avoir des mottes dans la figure. Alors, mon Stéphane, oui. t'es prêt comme cobaye? Plus que prêt, mon gars. Bon. Puis Mosh Hi-Tech, c'est-tu un produit québécois? Mosh Hi-Tech, c'est québécois. Oui. Invention québécoise, puis ça a été breveté. Puis j'en suis le premier cobaye. OK, donc... Oui. Mais ici, ça se démange pas jamais, ça. Mais c'est bon. Un peu plus tight. Gauche, droite, frein. Tu tires sur les deux pour arrêter. Hey, check-moi la patente, toi. Hey, moi, j'aime ça, l'innovation. C'est l'innovation. Si vous êtes... On va être plus loin que ça, un peu. Ouais. Est-ce qu'à l'aide, ça fait ça? Hey, check-moi la belle expédition, toi. Puis mon Steph? Ouais, c'est carré. Check-zap à... Check-zap à... Attendre.